Génération Hip Hop Soul Radio. Yo, 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 c'est Balou, t'es branché sur le Turn Up Show et je suis avec l'équipe Ghetto Phénomène. Comment on se retrouve les gars, ça va ou quoi? Wesh Balou, alors ça va ou quoi, frère? Tranquille, ça dit quoi les gars? On est là, on est là. Je vois que ça bouge bien pour vous en ce moment. Il y a le projet qui arrive. Et depuis la dernière fois qu'on s'est vu, bon, vous aviez envoyé que Maria Maria. La dernière fois, là, il y a eu À fond sur ma route, En chaleur. Et là, celui que vous venez de faire en live tout maintenant. Du coup, qu'est-ce qui a mis du temps pour sortir le projet depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Ben en fait, déjà on nous a décalé la date d'album par rapport aux maisons de disques, tout ça, parce qu'il y avait un petit souci. Il y a eu ça, primo. Après deux jours, on devait faire un choix, parce que dans l'album on avait trop de titres et trop de feats avec Jul entre autres. Ça veut dire qu'on a dû faire un choix. Il y en avait combien à la base? Il y en avait quatre. Du coup, on a dû faire un choix et on en a mis quelques-uns de Teco. On a remplacé des sons. Et voilà. Et à côté aussi, on a préparé le deuxième album. On a préparé des sons pour la promo. Environ 10 sons qu'on va faire cadeau. Et voilà. C'est ça qui a pris un peu de temps. Et pour ceux qui n'ont pas encore écouté l'album, c'est quoi le délire de cet album? Est-ce que ça reste dans cet enjaillement que vous avez, cette folie, etc.? C'est quoi est-ce qu'il y a des sons un peu plus qui cachent? Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce projet? Ouais, en fait, dans ce projet, tu retrouves un peu de tout. Tu retrouves du qui cache, tu retrouves de l'ambiancement, des sons un peu plus conscients, on va dire, sur des thèmes un peu plus abordés. Il y a l'homme aux cheveux rouges qui fait des dingueries là-bas. Je le vois gigoter, il s'en va. J'essaye d'être discret. Mais t'es pas discret. Il fallait pas. Ouais. Non, et voilà, il y en a pour tous les goûts, je pense. Il y a vraiment des sons calmes, des sons qui bougent, des sons un peu plus énervés pour le check-son. Il y a vraiment de tout. Okay. Il y en aura pour tout le monde. Il y en aura pour tout le monde. Ah oui, oui. Oui, oui. moi, j'ai envie de parler d'un clip, le clip En chaleur. Parce que le clip m'a fait casser des barres. Comment ça s'est passé le tournage de ce clip? Parce que moi, quand je vois le truc, le bus, le délire, etc., etc., je me dis que ça a dû être un gros, gros délire. Ouais, la vérité, c'était un gros délire. Ça a été dur un peu. Et c'est d'où elle est venue l'idée de se dire, vas-y, on prend un bus? Ouais, gros délire. Vas-y, explique-toi. C'est le manager, il a eu l'idée du bus. C'est le manager, il a eu l'idée de Marseille à Paris. Franchement, il a eu une bonne idée, franchement, dedans. Il n'y a que des fous en plus dedans. Ouais. On a ramené tout le gratin de tous les fous du moment. Je te jure, il n'y a que des fous quand tu regardes le truc. Tu dis, même la fin, tu vois Mister V là, en mode Golemon. Il nous a tués. Ouais. Il y a dû avoir des délires sur ce tournage-là. Ouais, à mort. Ouais, sans fou. Là, on a bien rigolé en vérité. Ok. Et comme j'ai dit, là, vous avez envoyé le single Tout Maintenant. Il y a quoi qui arrive dans le projet que vous allez clipper? Des délires qui. Qu'est-ce que vous voulez préparer? Déjà, on a un clip qui arrive de Tout Maintenant. On a tourné à Saint-Martin. On a fait un bon petit clip. Il va arriver là très prochainement. Sur tous les réseaux sociaux, tout ça. Vous êtes parti à Saint-Martin? Ouais, à Saint-Martin. Ça a vécu là-bas. Ouais, là, dès que j'ai dit vous êtes parti à Saint-Martin, j'ai vu son sourire. Ça veut tout dire. C'est comment alors, Saint-Martin? C'est le feu. C'est lourd. Ouais, c'est quelque chose, il faut vivre. Franchement, inoubliable. En plus, on était avec des gens superbes. Ils nous ont très bien accueillis. Ils nous ont bien accueillis, remercié encore d'ailleurs. Ouais. C'était vraiment génial. Souvenir inoubliable. Ouais, impossible. Donc t'as dit qu'il y a Tout Maintenant, il y en a d'autres qui arrivent? Il y a Habibi qu'on est en train d'exploiter. On va voir par la suite si on fait le clip ou pas. Puis après dans l'album, il y a encore deux, trois sons qu'on a ciblés. On verra si on va les travailler. Ce qu'on va faire en fait, on choisira. Ok. Sur la cover de l'album, vous êtes en mode... la pose en mode super-héros un peu, moi je dis. si chacun, vous devriez être un super-héros, qui vous serez? On va commencer par monsieur aux cheveux rouges. Toi, tu serais qui comme super-héros si tu devais en choisir un? Vizi. un super-héros... Non, je rigole. Vas-y. De Marvel, je serais Hulk. Hulk? Ouais, parce que je suis calme, mais faut pas m'énerver. Sinon, tu pars en couille en mode... tu te transformes, quoi. Ouais. Je deviens costaud. Ok. Toi, tu serais qui? Un super-héros? Ouais. Vegeta, c'est pas trop un super-héros, mais... C'est quand même. À la fin, il s'est calmé. Chose, hein. Ouais, voilà, à la fin, il s'est calmé, ouais. Vegeta, pourquoi Vegeta? C'est quoi? Je l'aime bien. C'est le perso... la... Ouais, la personnalité et tout. Ouais.
Mais je sais pas si t'as vu dans Dragon Ball GT, ils lui ont fait une moustache et tout, il avait fait des trucs chelous. J'ai pas suivi jusqu'à dans Dragon Ball GT, ils ont tué Vegeta, mais t'inquiète, là, dans les nouveaux, il est dans un bon délire. Toi, tu serais qui? Moi-même, hein, Freezer. Freezer. Attention, parce que Freezer, il a eu beaucoup de transformations. C'est à un moment, il avait un gros crâne. Ouais. Toi aussi. Mais moi, c'est pas la même chose. J'ai beaucoup de transformations, mais. C'est quoi tes transformations? C'est dans l'évolution. Dans la musique. Musicale, ok. Voilà. Ok, j'ai capté. Ok, lourd. Et toi? Et moi, en vérité, je sais pas. Je sais vraiment pas. Vous diriez qui pour lui? Moi? Pour lui, un super-héros? Ouais. Superman. Tu vois, Spider-Man, Superman. Ouais. Pourquoi Superman? Tu mets des slips, mec? Non, tu mets des slips. Ah, c'est pas le slip qu'il faut calculer. Non, c'est... Je sais pas. Non, pas Superman, je dirais... Moi, je dirais Batman. Non, Batman avec sa Batmobile. Ouais, avec sa petite Batmobile. Tu as la Batmobile. Rapide dans la rue. Flash, c'est un super-héros, Flash? Ouais, Gordon. Flash, parce que ça va 3-2000 dans ma tête. J'ai capté. Pas mal. J'ai capté. Bon, les gars, vous pouviez pas esquiver. Je pense que vous avez cru que vous allez esquiver. S'il te plaît, je te vois venir. 5-1. Je savais. Non, les gars, vous pouviez pas esquiver. Je savais. Sur Twitter, là, c'était le feu. Je regardais un peu, je cassais des barres. Mais qu'est-ce qui s'est passé, les gars? 5-1. Faut leur demander. vous avez suivi le match? Vous êtes allé regarder? Vous êtes parti au vélodrome? Ici, on était dans une chicha à Paris. Vous êtes caché à la fin? Ouais, presque. On est sorti par derrière, tu as vu? On essaie de pas trop se faire remarquer. Non, mais ça va, très bien. On sent comment après un 5-1? Mais au final... Voilà, 4-0 à Barça, 5-1, c'est-à-dire que vous êtes à peu près au même niveau, quoi. 4 exactement, buts d'écart. Tu vois, on se rassure. Il faut voir le bon côté des on choses. On peut dire que l'OM, c'est comme le Barça. Tu voilà. Vois, non, mais bon, il y a d'autres matchs dans la saison. On va se rattraper un an ou deux ans, et après, un on jour, comme ça de Paris. Alors sinon, 6-2. Ouais, un an ou deux ans, t'as dit. Hein. On va voir. Vous avez des objectifs avec ce projet? Est-ce que c'est des objectifs de vente? Des objectifs de... C'est quoi votre... On n'a pas forcément d'objectifs parce que c'est notre premier projet. Mm-hmm. On va dire que c'est grâce à ce projet qu'on va pouvoir jauger notre public, enfin plus cibler notre public et jauger au niveau des ventes. Mm. Mais la vérité, on ne s'est pas dit de chiffres. Mm. N'importe que ce soit 500, 5000 ou 500 000, on sera content, dans tous les cas. Ok. On aura fait le taf. Et comme tu as dit tout à l'heure, vous avez déjà des projets de côté qui arrivent, enfin des trucs. Ouais, on est en préparation du deuxième album. Ouais, mm-hmm. On prépare déjà. Ouais. On a sorti 4 cyphers aussi, tu exactement, vois. Exactement. Sur la page Facebook. L'NGL cypher à Frise qui est sorti. Mm-hmm. Il a fait beaucoup de bruit. Là, il est sorti, lui, de Bilka tout à l'heure. Ça commence. Et chaque jour de la semaine, ouais, il y aura nos cyphers à découvrir. Ouais. Et pourquoi avoir choisi des délires de cypher? C'est ce que vous faites au quotidien ou vous freestylez de temps en temps? Non, mais en fait, c'est pas ça. C'est que vu qu'on est quatre, tu vois, et fallait faire un cypher solo histoire de prouver de montrer que chacun le délire qu'il a, tu vois, parce chacun qu'on a pas forcément le même héros. Univers, tu vois, dans la musique. Donc chacun, il a fait ce qu'il kiffait à fond, tu vois. Ouais, parce qu'en fait, on se crée un univers pour Ghetto Phénomène. C'est pas qu'on met de côté nos univers, mais on peut pas les exploiter à 100%. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait ça pour... Exactement. Pouvoir aller à 100% dans l'univers de chacun. Ok, d'accord. En tout cas, les gars, force à vous. Merci. Comme on dit, vous revenez de loin et vous faites du sale. C'est ça qui est bon. Et moi, ce que je valide avec, à chaque fois, je le dis, à chaque fois qu'il y a des Marseillais, c'est que vous êtes tous la tête sur les épaules, tranquille, vous ne prenez pas la tête. Même quand vous prenez des 5-1, il n'y a rien, vous êtes là. Ah, t'es mauvais. Je voulais pas le placer. C'est que du foot. Non, mais en tout cas, vous êtes validé, vous êtes au top. Ouais, tranquille, comme on est. Même si j'étais en retard, désolé, les gars, vous êtes au top. Non. Je me rattrape comme je peux. Non, force à vous sur le projet. Merci, Génération, on est ensemble. Yeah. Merci.